Aujourd'hui, c'est le jour du Tararo Palam, qui est donc l'événement qu'on organise à Tallinn et qu'on va organiser un peu tout au long de la mission pour essayer de connecter la mission à des initiatives locales. Donc, c'est plutôt à destination décideurs locaux, des ONG, un petit peu scientifiques, mais c'est pas le principal. À Tallinn, le focus, c'est justement l'eutrophisation de la mer Baltique, qui est un focus qui nous a été proposé par une personne qui sera là et qui représente une ONG. Les principaux messages, qu'est-ce que c'est Trek? En quoi c'est innovant? Et là, c'est cool que ce soit toi qui présente, parce que toi, en tant que scientifique, en quoi ce support d'expédition, il est un peu nouveau par rapport à ce que tu connais d'habitude. Ok, ouais. Bon, on est assez large sur le temps, take your time, et puis ça va être. Ça va. C'est bien? Tout bon? La fondation, en fait, elle organise des expéditions scientifiques qui permettent à des scientifiques de venir à bord et de produire de la connaissance scientifique. Et puis ensuite, un des gros travaux qu'on fait, c'est surtout de restituer cette science à la société. Donc c'est un travail qu'on fait avec l'ensemble des parties prenantes, fournir la science aux politiques pour aider à la prise de décision politique, et c'est ça ce qu'on fait dans le travail Science to Policy. Opalab, il est organisé dans le cadre de l'expédition Trek de l'EMBL en collaboration avec deux projets européens que sont Biotion 5D qui s'intéresse aux impacts des activités humaines sur les côtes et les mers européennes et Bluromediomix qui étudie lui le microbiome marin et comment l'étude du microbiome marin peut nous permettre de développer des approches et des outils innovants. Je pense que pour que la science se traduisent un peu de manière concrète dans les mesures de protection de l'océan et de la biodiversité, il faut créer ces espaces de dialogue comme celui de cet après-midi, c'est-à-dire des espaces où il n'y a pas d'intermédiaire entre le scientifique et les décideurs politiques. They pronounce it instead of It's a tough one. Don't worry, you're not the only one. Okay. Good afternoon and welcome to this remarkable Tara Europa Lab events. It is my honor to address you today as a representative of the French Institute. I believe such projects can bring together different stakeholders, but also maybe ponder and think what type of knowledge is missing here. There are new scientific questions raising from the new problems that are raising in the societies. This sort of initiative should be definitely prolonged or renewed in terms of tackling the climate crisis and the biodiversity loss in the seas. Force de ce Science to Policy, c'est de venir apporter une connaissance qui aujourd'hui n'est plus une connaissance seulement de sciences brutes, mais on a même des sciences sociales qui viennent contribuer. Et je pense que c'est très représentatif de la société dans son ensemble pour faire évoluer la prise de décision. Nous, en tant que scientifiques, finalement, les solutions, on en a. On les connaît, on connaît les mécanismes, ils ont été très très décrits. Et les solutions potentiellement on peut proposer peuvent se heurter à des enjeux économiques qui sont réels. Et qu'en fait, dans ces moments-là, il y a des choix à faire. Et les choix sont difficiles. That is one way how to really make people understand or see that it's invisible, to make them involved and to make them care, and also to make them understand that they are also responsible for the good ship of the sea.